La gare du Nord aura été la dernière des gares de Paris à abriter quotidiennement des locomotives à vapeur. L'image de la vapeur, plus que centenaire, est à présent définitivement effacée de la capitale et cède la place au ballet des locomotives et automotrices électriques. Avec la mise en service de la traction électrique sur les lignes d'Épinay à Persan-Beaumont et d'Hermont à Valmondois, s'achève le programme d'électrification de la banlieue nord de Paris. La section de ligne d'Argenteuil à Gagny, sur la partie nord de la grande ceinture de Paris, qui assure le plus important trafic de trains de marchandises de la SNCF, a également été mise sous tension dans le courant de 1970. La ligne de Dijon-Bourg était aussi inscrite au programme de cette année, qui comportait au total 330 km de lignes électrifiées, soit près de 1 km par jour. Enfin, avec Dole-Mulhouse, le réseau électrifié de la SNCF atteint à la fin de 1970 9359 km, dont près de la moitié équipés en courant monophasé à fréquence industrielle.